Méditation du 16 mars, conforme ou transformée. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Se conformer signifie s'adapter, s'accommoder, se mettre en accord, s'harmoniser, s'ajuster, s'aligner, se résigner, endurer, céder, se courber, adhérer, faire des compromis, se plier et donner son assentiment. Se conformer au monde, c'est s'adapter à lui, c'est-à-dire en prendre la fortune, adopter sa violence, ses antivaleurs, son incohérence avec ses discours non conformes, voire opposés aux pratiques, son matérialisme, son égocentrisme, son indifférence, sa superficialité et son chacun pour soi. Nous sommes bombardés par la publicité influencée par notre environnement, submergés par un monde extérieur de plus en plus fort et une vie intérieure de plus en plus faible. Se conformer au monde ne demande aucun effort, c'est juste se laisser porter par le courant. En revanche, la transformation quotidienne par le renouvellement de l'intelligence, c'est une chose totalement différente. Cela nécessite l'exercice de la volonté, de la maîtrise de soi, de la discipline. C'est une lutte constante, c'est décider de connaître la volonté de Dieu, de s'y soumettre en permanence. C'est ramer à contre-courant, c'est vivre en non-conformité ou en désaccord avec le monde, non par la critique ou la manifestation politique, mais par une conduite qui s'harmonise avec le caractère de Jésus et qui le reflète. Nous pouvons être influencés par la culture ou par des influenceurs de la culture. Ce que Jésus demandait n'était pas de nous ôter du monde, mais de nous protéger du mal. Voir Jean 17, verset 15. Il nous a lui-même envoyés vers le monde pour apporter et vivre un message qui transforme des vies, qui génère la paix, l'espérance et un destin d'éternité. Y a-t-il une chose pour laquelle vous vous conformez au monde? Un style, une habitude, une pratique ou une attitude? Nous avons besoin d'une transformation par une réflexion rénovée. Matthieu a utilisé le même mot original que Paul pour transformation, en racontant la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque sa gloire et sa nature divine étaient clairement reflétées et mises en évidence à l'extérieur. De la même manière, le croyant montre qu'il a été transformé par son extérieur et son cœur racheté par le sang de l'agneau. C'est cela manifester le Christ dans sa vie quotidienne. Cela n'arrive que lorsque notre esprit est rénové par l'action du Saint-Esprit dans l'étude de sa parole et en priant sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ne nous conformons pas au monde et à ses mots. Celui-ci a besoin de personnes non conformes, transformées par l'Esprit et fortifiées par la parole. Ne disons pas « tout le monde le fait », car Dieu dit « ne vivez pas comme le monde ». N'amenons pas le monde ni dans notre vie, ni dans notre église. Nous amenons notre vie et l'église au monde. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.